Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode, ici Eric le Diable. Donc aujourd'hui, on commence par un petit pogonome de merde, voilà, c'est cool. On va commencer à faire du 2v2. Voilà, un petit 2v2 avec une story. Donc salut à toi, une story. Salut tout le monde. Allez, vas-y, accepte une story. Oh merde, Oh merde, attends, désolé. c'est pas grave. Donc, du coup, je sais pas si c'est Bandicap ou Fraps qui filme, bon, on verra bien. Si ça coupe au bout de 10 minutes, on sait c'est quoi. Ok. Mais golem, je le triple. L'autre côté. Même au côté, comme ça on défend, on push. Il joue, ça joue cimetière en face. Cochon cimetière, voilà. Oh là. Il a pris cher 2 de vie, par contre il faut vite que le bomber il meure, voilà. Le golem tank, t'auras ton dragon qui va tanker, les triples mousquetaires qui tank. Voilà, ça c'est bon, hop. On peaufine, on continue. Hop. Allez, c'est bon ça. Et si dragon de l'enfer verrouille, c'est bon. Il a verrouillé. Oh là là. On était pas loin, on était vraiment pas loin. Bon, je vais pomper. Voilà. Moi je pleure pour eux, tu vois. Défends. T'inquiète pas, j'ai la. Par contre pour le cimetière, on n'a pas grand chose. Pour le cimetière? Bah t'as des petites gaouilles à trois qui font le taf contre le cimetière, mais c'est tout. On refait le même push. Attends. Ah, par contre, contre la sorcière. Et contre le golem, on fait quoi? On contre le. Géant, j'ai le dragon de l'enfer. Vas-y, dragon de l'enfer pour péter. Je fais. Ah merde, t'as déjà mis ton. Ouais, j'ai déjà mis le golem. J'avais pas vu, excuse-moi. C'est pas grave, vas-y. Il va péter, c'est parti à les PV. Les petits gobelins, ils vont faire ça. Je vais zapper. Voilà. Là c'est bon. C'est bon, voilà. Les petits gobelins qui font le taf, voilà, bien, bien joué. On gagne, c'est bien ça. Bon bah voilà, la stratégie du combat, c'est la style. On va donner tes combats à Zozo. Vas-y tu. Accepte. Hop là. Bon, bah, on est en record, donc on s'occupe pas trop des autres. Je suis désolé. Si vous voulez venir dans le clan, vous pouvez venir. C'est Winter Stark, je ferai de la pub pour mon clan juste après. Ah, golem. Ça joue pareil. Bon bah tu mettras ton dragon de l'enfer. Okay. Ouais, t'aurais pu attendre parce qu'elle est super longue. Ouais. Je transforme en push. Ah, elle passera pas devant. Merde. Ah si, peut-être. Faut qu'on cycle vite. Oh là là, toutes les squelettes qu'il y a là, c'est un bordel. Oh là là. Si le golem pète le. On va mettre un bûcheron. Oh bah ils ont mis un bûcheron aussi. Donc nous, il va péter et eux après, voilà. Mettre le gang à gobelin. C'est pas trop le taf contre la princesse qui est là depuis tout à l'heure, elle me casse les couilles la princesse. Oh là là. Putain, il rejoue golem, oh là là. Ah, il est trop bien. Le golem qui va passer. J'aurais dû garder mon zap. Ils vont péter. Et bon, il va falloir rester un. On va faire un truc comme ça, voilà. On a un spectateur. Ouais, c'est Enzo. Enzo? Ou Zozo, je sais pas. Bah non, c'est pas Zozo, il est côté rouge. Ça peut pas être un mec de notre clan. Bon, ça met des bonnes patates. Bah non, il y a. Bah, je sais pas. Faut leur demander. Il y a un Zozo dans votre clan? T'as golem? Ouais, attends. Bah non. J'occupe de princesse.
J'essaye. C'est un double golem, ils jouent comme nous. En fait, je crois qu'ils ont pas les mêmes decks que nous. Par contre, le bûcheron, il fait grave le taf. On aura une étoile. C'est Johan, cherche pas à comprendre. Voilà. Nous on se casse la gueule. On met un deuxième golem. On va mourir. On est des thugs, on va mourir. Donc. Bah je sais pas, je sais pas. Non ouais c'est mort. Laisse tomber. Bon, bah, ils ont bien joué. Non mais on a pas encore perdu. Bah si. Mais non. Ah non. Ah excusez-moi, j'ai cru que j'avais perdu. Bon bah là faut qu'on finisse le push. Puisque... Ça va être dur, ça va être dur. Ça va être très très dur. Ouais. Ça va être très dur de récupérer. Sinon t'aurais mis les triples mousquetaires et là ça, ouais, serait peut-être, ça bon. Aurait peut-être mais... passé mais là le bûcheron qui essayait d'être kamikaze un peu sur les bords. On donc essaie... soit on essaie le double le 2 le 2 le 2 le 2 par contre là contre ça on a rien et c'est ça qui va nous porter préjudice. Je m'occupe du petit archer qui risque de casser les couilles. Oh. Par contre on ils vont où tes trucs là. Ah par contre on s'en a rien là. Oh attends non faut pas qu'il taffe. Oh vite il passe pas, c'est oh bon ça. Oh là là on gère. Par contre ça va passer. Non c'est mort je crois. C'est pas mort. Oh là là. Putain c'est des génies. Ils vont gratter au sort mais c'est pas grave. Ils vont gratter au fût, attention faut qu'on ait la tour avant eux. Putain. Oui, peut-être, non. On n'est pas loin, on est vraiment pas loin. Ah là, par contre, je peux pas défendre ça. Ah, moi aussi, je peux pas. Ah, merde. Non, si, tant. J'y peux. Ouf. On est chaud. Eh, c'est le combat le plus tendu que j'ai, je crois, depuis des années. Voilà. Allez. Oh putain, le 3 couronnes, regarde le 3 couronnes. Oh là là, oh bravo, oh là là. Bon, on va arrêter là, trop d'émotions, on va s'arrêter là. Je vais faire la pub pour le clan, parce que là, c'était vraiment chaud. Ça s'est joué à une étoile. Donc, le clan, c'est Winter Stark, donc il faut avoir 1 million de trophées, il faut 2 dons par semaine, voilà, il faut avoir 10 couronnes pour les coffres de clan, parce que c'est les mecs comme ça, là... Mec, dans le clan qui font des trucs genre 0-0-0, tout ça, ça va dégager. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc il y aura de la place. Donc je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, mettez un large, le max de pouces bleus, on aime ça. Donc voilà, donc à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.